Bon, je pense qu'on peut se dire qu'on est déjà satisfait. Et on va rouler jeunesse jusqu'à ce que mort s'en suive, IRL, je veux dire. Puisqu'il va falloir avancer. Oh là là, oh ça commence mal. Oh ça commence très mal, je me souviens plus d'où on est. Ah si! Ah mais si, on avait trouvé le bateau, on avait récupéré plein de carburant, je suis full, non? Oh ouais! Et plage arrière, j'ai combien? Oh! J'ai 10 litres d'essence sur la plage arrière, mais c'est un bonheur. Oh non, mais alors là, les amis, c'est que du plaisir, c'est que du kiff. On est très heureux de vivre. J'ai un peu de bouffe. Est-ce que j'ai de l'eau? Oh, si j'ai de l'eau, c'est vraiment grotesque. J'ai un pneu de rechange, bon, ça encore, pourquoi pas? J'ai pas d'eau, je crois. Attendez, la seule difficulté peut venir de là. Ah si! Oh, mais j'ai 18 litres d'eau! Oh non, mais alors là, les amis, là. Là, si je fais pas n'importe quoi, c'est l'autoroute de la victoire, l'autoroute du plaisir. L'autoroute du kiff. Attends, faut que je mette une petite playlist là. Il faut une petite playlist, il faut une petite playlist. Une playlist pour rouler. Oh, ça va bien avec la musique, ça. Avec le. Pardon. Voilà! Ah ouais. 200 sur le compteur de la Oh ouais. Rien qu'elle et moi, on roule vers le soleil couchant là, j'aime ce qu'on vit. Roule vers le soleil, vers la Californie. Bébé roule vers le soleil, vers la Californie. 200 sur roulons vers la Californie. Rien qu'elle et moi, juste le nécessaire. Est-ce que je vais streamer le week-end prochain pour Diablo? Je pense, ouais. Je pense. J'ai pas mal de trucs ce week-end qui sont tombés, mais je pense que ça va être compliqué de tout faire, donc je vais sûrement streamer, ouais. Comme si c'était du 2. Je fais que des classiques, j'ai même plus le temps. Ok, je regardais juste si vous voyez bien le compteur, mais c'est bon. Si t'es APX, viens goûter quelques meufs. Tu me trouveras dans le fond de la techa du nœud, chier. Et ouais, Diablo, ça va être bien d'ailleurs. Bon, ça marchera pas, mais. Et quand ça marchera, ça va être bien. J'espère. La fin de la LFL la semaine prochaine aussi. Oui. Mercredi 20h contre K-Corp. Jeudi 19h contre Vita. On saura si on joue les playoffs ou pas. On saura si on est bien classé ou pas. On saura tout ça. On saura qui joue les playoffs ou pas. Ça va être hypé. Hypant plutôt. J'ai hâte. Wouh, le caillou, j'ai hâte aussi. Juste le nécessaire. En fait, je vais pas m'arrêter. Vu que j'ai toutes les ressources qu'il me faut, je vais jamais m'arrêter. On va juste bombarder. Ça bug. Attendez, ça bug. Oula, j'ai mis le frein à main, j'aurais peut-être pas vu. Frein à main en ligne droite. Oh, le scroll audio bug. Allô? Ah, y'a un truc. Ok. Tout est sous contrôle. Tout est géré. Voilà. On sait quoi, je vais même passer la nuit d'ailleurs. Roulons deux jours, c'est mieux. Et là, Eka vient sur le stream de son CEO et voit ce gameplay. Magar qui passe des fois quand je joue à The Long Drive, donc pourquoi pas. Une voiture pour avoir un nouveau compteur. Pour l'essence. Bon, vu que je suis pas inquiet du tout au niveau de l'essence, c'est pas important. Surtout ça, c'est surtout ce compteur-là qui est important, celui qui compte les kilomètres. L'autre, en vrai, on s'en fiche un peu, je pense. Ouais, Road 96, ils font un DLC, non, bientôt. Donc, il est peut-être déjà sorti d'ailleurs, je crois pas. Mais... Un petit DLC pour ce jeu là. C'était cool ce jeu en vrai. C'était vraiment sympa. Une bonne surprise. Donc on fera la suite. Je n'ai pas reçu le prix de l'OST de l'année. Et qui a eu ça? Peut-être que. Peut-être qu'il y avait mieux. Comme cette voiture elle est bien mais. Ouais, non, elle est bien. Puis là, on va très vite, donc c'est normal qu'elle accroche pas très bien. Mais... Elden Ring, oui, bah voilà.
Les amis, Elden Ring, s'il vous plaît, un peu de respect. Elden Ring, c'est un bonheur de chaque seconde. Le 4 avril, Rhodes. Ok. Et ben, on pourra le faire. Elden Ring et Rhodes, c'est pas la même année. Ah bon? C'est pas 2022, les deux? C'était quand, Rhodes? Dans ma tête, c'est super récent. Merci, Eruption. C'était cool en stream. Road, ouais, trop bien. Bah, de toute façon, ces jeux-là. C'est toujours canon. Hein. C'était août 21, Road. Ok. Non, dans ma tête, c'est plus récent que Elden Ring. Comme quoi, des fois. Hey, Elden Ring, ça fait que un an, ouais. Quel jeu, mes amis, quel jeu. Tous les jours, je me tape des recommandations YouTube encore de Elden Ring, je mate tout. Je mate tout, des trucs que je m'en fous en plus, mais... Tellement c'est un jeu incroyable, je mate tout le temps tout. C'est quoi le but du jeu? Rouler. Rouler, idéalement, sans mourir. Il faut survivre, c'est un jeu de survie. Comme tu peux le voir, je n'ai pas mangé depuis très longtemps, j'avais oublié de manger. Mon perso va crever. Merci de m'avoir fait penser à survivre. Ça quand même faire 8 heures sur les doubles gargouilles. Et personne lui a dit que c'était optionnel de faire les gargouilles ou... Personne n'a pensé à lui expliquer. Ah, il veut les faire. Ah ouais, après ça c'est ça quoi ça. Ça c'est ça quoi. Des gens sur la route, non. Y'a personne dans ce monde à part des lapins et des zombies. Enfin des zombies. Des zombies. Bon, c'est un peu bizarre en vrai. D'accord, Bill Slibar 0 HP qui veut tout clear. Respect à lui. Quel miracle, la portière reste ouverte. C'est la physique, t'inquiète. En tant qu'ingénieur, je te garantis que c'est normal. Bon, il y a un manoir, mais les manoirs, c'est toujours du bait. Si j'avais un sabre, peut-être. Mais sans sabre, c'est chiant. Ouais. Ouh, le caillou. Un peu salaud de mettre des cailloux sur la route quand même, hein. Ça bouge pas ça. Hein. Ce serait quand même plus simple sans. Hein. Je me trouve que Road 96 c'était même pas nommé. Ouais, c'est trop un petit jeu, je pense. Et ouais, l'OST est bien, mais. C'est que des musiques indépendamment, tu vois. Qui s'enchaînent bien, certes, hein, mais. Peut-être que c'est pas ça qui était recherché. Je ne sais pas. Ça me tue ce jeu, tout clip au fur et à mesure quand t'avances. Mais je maintiens que ce jeu, s'il était un peu mieux fait, franchement, enfin mieux fait, genre sur plein d'aspects, mais. Il sent trop le balèque, tu vois. Mais je pense qu'avec un peu plus de travail, il y aurait un vrai potentiel. Bon, malheureusement pas, mais... Petite maison... Mais là, je vais profiter vraiment du fait d'être trop bien en termes de ressources. J'ai full essence, full manger, full boire, faut juste pas que je fasse un accident, quoi.
Ah, si je reste un peu focus et que je vais pas dans un poteau, je pense qu'on peut grind ce soir des kilomètres. Hein. On peut grind au moins 400 ou 500 kilomètres si on joue bien. Bon, je sais pas jusqu'à quelle heure je vais jouer, mais... Enfin, jouer. Peut-on parler de gaming? Je sais pas. Merci de nous rendre, Yves. Merci beaucoup. Merci pour les moments divertissants de divertissement. Bah merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Ah, mais j'ai l'impression que je lag ou c'est mon OBS qui lag? Est-ce que vous me voyez laguer? Moi je me vois laguer. Merci Brian et Uldirin. Merci à vous. Zéro lag? Ok, bon bah c'est mon OBS qui lag. No problem. 5000 c'est le vrai objectif? Oui. Après 5000 quoi qu'il advienne, j'arrête. Faut pas déconner. Je veux pas devenir un streamer The Long Drive, pitié. Je veux pas devenir un streamer The Long Drive. Déjà que je suis un streamer Among Us en jouant 3 heures par semaine, donc imagine juste. Et à combien là? Je l'ai mis dans le titre, 2600 et quelques, je crois. Une chaîne YouTube The Long Drive? Bah on a déjà ça, hein. La chaîne replay, il y a tout The Long Drive dessus. Pour ceux qui vraiment ont des problèmes pour s'endormir, par exemple. Vous pouvez tout mater. N'hésitez pas. Je suis déjà le deuxième streamer The Long Drive en France après Mintos, c'est vrai. En même temps, on est que deux, donc... Et c'est pas plus mal. Est-ce que des fois j'ai le choix entre deux routes? Non. Non, mais si je veux, je peux aller dans les champs. Hein. J'ai le droit. Le compteur était à 0 au début du stream? Non, 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 il était à 90, un truc comme ça. 80, 90. Dans ces eaux-là. Ah bah c'est un petit bonheur de rouler dans ce jeu, en vrai, j'aime trop, moi. Raconte des conneries, on roule. Pendant que Twitter m'insulte. Est-ce que c'est pas le rêve d'un homme, finalement? Est-ce que c'est pas ça, l'aboutissement d'une vie? Jouer un simulateur à chier pendant que Twitter me cherche pour me tuer. J'aime bien. Ce sera sûrement ma routine du dimanche, d'ailleurs, je vous le dis. Ma petite routine du dimanche. Tire liste sur des trucs bien frauduleux. Juste faire des blagues et après. Hop. Et après on roule. Et quand on aura fini de rouler, on fera autre chose bien sûr, mais. Il faut que je trouve. Je pense que la prochaine boucle, ce qui serait trop bien, ce serait de faire un jeu de farming genre. Stardew Valley ou The Long Drive. Ou Graveyard Keeper, pardon. Non, The Long Drive, je suis déjà dedans, connard. Non, faut que je fasse Powerwash d'abord. On fera Powerwash d'abord. Parce que j'ai jamais fait Powerwash. Et que j'ai promis de faire Powerwash. Donc après The Long Drive, on fera Powerwash. Et après, j'aimerais bien faire. Mon écran s'est éteint. What the fuck, pourquoi? Oula, bizarre. C'est bon. Oh là là, non, il serait éteint. Attends, quoi? Oui, il s'éteint mon écran, il y a quoi? Quel bail? Ok, c'est bon, c'est passé. Non, en fait, j'aimerais bien faire Stardew Valley, genre le full item. Full musée, machin, mais tu vois, en slow run avec quelqu'un. Genre en team. Soit 1, 2, 3, enfin, je sais pas combien de gens on peut jouer, mais. Je pense que ce serait marrant. J'aimerais bien, un jour. Un petit Potion Craft. Il y a eu un patch sur Potion Craft ou pas? Le jeu était bien, mais il y avait plus rien à faire. Propose à JD, il adore les jeux vidéo. Oui, oui. J'aimerais bien, malheureusement, ce n'est pas le cas. Mais je trouverai des gens. Quelque part, ça doit exister, je le jure. Strange Horticulture. Ah, on m'a parlé de ça. On m'a parlé de ça, faudrait que je regarde.
Non, j'ai regardé, mais je sais pas si c'est un jeu fini ou si c'est une alpha encore. Un early access. Parce que les early access, c'est relou, quoi. Hein. Il faut le dire. T'es là, t'as des jeux qui sont trop bien. Early access, tu butes dessus, et après tu rejoues plus jamais. Genre Core Keeper. Core Keeper, trop bien. Malheureusement, on sait qu'on va jamais y rejouer. Enfin, jamais. Peut-être un jour, mais pas avec la même excitation, quoi. Wolong, je laisse de côté. Ouais, Wolong, je laisse de côté pour l'instant. De toute façon, les gros jeux qu'on va faire là à l'avenir, ça va être Diablo, la bêta, là. On fera Temporis, je pense. Enfin, les gros jeux, les trucs un peu let's play, entre guillemets, tu vois. J'aurais bien testé Big Ambitions aussi, ça a l'air marrant. Mais je sais pas si c'est un bait ou si c'est vraiment bien. Parce que le principe avait l'air sympa. J'ai maté Kenny jouer un petit peu, parce que je vais pas trop me spoil non plus. Mais ça avait l'air cool, un peu en mode gestion de trucs et tout. Mais je sais pas si c'est... vivant, entre guillemets. J'ai peur que ce soit vraiment juste chiant. Donc je sais pas. Si vous avez vu un peu ou si vous connaissez. J'ai 100% Hogwarts, ouais. J'ai tout fait, c'était bien Hogwarts. Très très cool. Refaire du Darkest Dungeon. Bah le 1 j'ai tout fait, tout vu, donc je pense pas. Et le 2 me donne très peu envie. J'avais joué à l'alpha, j'avais pas trouvé ça fou. Donc un jour peut-être. Je devrais tester Punch Club. Si c'est pas une vanne, sache que c'est très drôle. Et si c'est une vanne, très bien vu. Mais Punch Club, je l'ai fait et malheureusement dans ma run il y a eu énormément de bugs et de trucs qui marchaient pas et de problèmes dans les scripts, donc j'ai pas trop aimé Punch Club malheureusement. Mais j'ai vu qu'il y avait une suite prévue et je la ferai quand même. Pour répondre un peu plus sérieusement. Depuis 3 ans. La suite ? Il y a eu un trailer il y a pas longtemps. Hein. On y croit. Deep Rock Galactic, je connais pas. Ça me dit rien. Non, mais Stardew Valley, c'est le call, je vous le jure. Stardew Valley, c'est totalement le call. Il me faut juste des amigos. À mort. J'attends impatiemment Haunted Chocolatier. Quoi ? Pardon. Tout va bien, je gère. C'est la musique, elle m'a hypé. Haunted Chocolatier. Oh là là, oh les problèmes. Oh los problemos. Ok, il y a un bus, m'en fous. Ça va, tout va bien ? J'ai rien perdu ? Si, j'ai perdu un pneu déjà. Mais alors je sais pas où il est parti. Mais là j'avais un pneu qui a disparu mystérieusement, il a dû cliquer. Ah non, il est sur moi. Bon, ça va en fait. J'ai rien perdu, tout va bien. Tout baigne. C'est le nouveau jeu du mec de Stardew. Ok. Haunted Chocolatier. Non, mon écran s'éteint, mais pourquoi ? Ouah, fais pas ça. À cause des chats, ça. Les chats, ils ont explosé mon câblage. Malheureusement, c'est vrai. Ils ont explosé mon câblage. Genre je pense que mes câbles ils sont démolis genre. À force de courir dedans et de tout débrancher en passant vite, ça a tout pété. Après bon, mon câble management laisse à désirer parce que bah du coup les câbles pendent, donc forcément quand ils passent dedans, bah, ça arrache tout. Mais c'est ok. Si ça le refait, je me lèverai pour débrancher, rebrancher, ça sauve peut-être le truc. On va voir. Bon, on roule bien en tout cas depuis tout à l'heure là. On a fait 40 km en 10 minutes. Un peu moins peut-être. Franchement c'est big. Hein. J'ai fait Ori et Hollow Knight. Ouais. J'ai fait les deux jeux.
qui était très bien d'ailleurs. Je crois que j'avais fait Hollow Knight en stream, il me semble. Il me semble que je l'avais fait en live. Au moins partiellement. Et c'était bien. On attend Silksong un jour peut-être. En 2050. Il n'est pas court ce jeu. T'as là ? Disons que c'est pas forcément excessivement long non plus, mais la boucle de gameplay peut faire paraître le temps un peu long. Mais sinon ça va. Hob, c'est quoi Hob ? Je connais pas Hob. Je vais me faire à bouffer, je reviens. Et tu peux revenir même demain, j'aurai pas fini. Hein. Je te le dis. 30 000 km sur ce jeu. Ça se fait, mais... Ben on a déjà fait la moitié de façon, dites-vous ça. Alors pas aujourd'hui, hein, mais... Le principe du jeu, c'est de rouler. Non, c'est un jeu de survie, mais... Il faut rouler quand même. Attendez, mon écran s'éteint. Bon, attendez, mon écran s'éteint tout le temps, ça rend fou. On va se garer là. Alors. Oula, non mais il est mis sur le mauvais écran le jeu. Non. Attendez. Oh. Pourquoi? Pourquoi? Ok. C'est bon. Je pense que problème résolu. Je suis combien de kilomètres par stream environ? Ça dépend quand ça se passe bien ou pas. Quand ça se passe bien, on en fait... Entre 100 et 300, on va dire. Et quand ça se passe pas bien, on en fait une quinzaine. Mais là, ça se passe bien. Ah ça va, on est bien. On a un bon setup, on a tout ce qu'il faut, on a des ressources. On a full bouffe, on a de l'eau, on a de l'essence surtout. Donc là on peut en faire pas mal. Je pense que ce soir on peut faire 500 même si j'abuse un peu. Après je sais pas si je vais jouer très tard, peut-être que je ferai des petites games de LoL après. Je verrai, parce que jouer à ce jeu pendant 6 heures n'est pas le scénario, hein, je vous le dis. N'est pas du tout le projet. Donc on verra, ou alors j'arrêterai juste le live un peu plus tôt. Je verrai. Voilà, ça lag. Ah. Le jeu essaie de charger des textures un peu, des trucs parce que. Hier, t'as fait pipi? Ouais, ça va. Merde, j'ai enlevé la porte. Ok, c'est bon. Niveau saucisse, on est ok, on peut faire encore quelques jours. Mais il y a un moment où il faudra clairement s'arrêter. T'auras fait les 5K d'ici la sortie de Silksong? Je sais pas. Je pense pas en vrai, mais. Ça va me prendre vraiment du temps. Attends, mais le baril s'est avancé carrément. Alors, ça c'est pas bon, c'est-à-dire qu'il a clippé au travers des sièges. Oula. Donc, à tout moment, il clippe au travers de la voiture. Hein. Ce serait bien de ne pas le perdre. L'odeur dans la caisse, ah mais là l'odeur est insoutenable. Entre les saucisses à l'air libre, le bidon d'essence qui menace d'exploser à chaque seconde, le perso qui a jamais pris de douche de sa vie qui se pisse dessus, enfin c'est genre...
Mais c'est ok parce qu'on peut baisser les vitres. Je sais plus comment, mais on peut. Hein? Oh non. Oh non, 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 non. Hein? Why? Qu'est-ce qui se passe? Hein? Mais... Oh là. C'est le refroidissement? J'espère, parce que sinon je vois pas ce que c'est. Il m'en reste. C'est peut-être pas ça. Fin du buzz. Pourquoi elle s'arrête? C'est quoi le problème? Oh là là. Oh là 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 là. Ça c'est pas bon ça. Excusez-moi, excusez-moi, c'est pour les besoins du gaming. Le besoin de gameplay, mes hommages. Non mais attends, parce que du coup on a un vrai souci. C'est bon? Ça a l'air mieux, mais... T'aurais dû pisser sur le moteur. C'est bon là? Ça m'a fait flipper, d'un coup je vois la voiture, elle commence à faire de la fumée, elle s'arrête et tout, c'est quoi ça? Il reste de l'essence? Oui, il reste 34 litres. L'essence ça part pas très vite en vrai. Oh le démarrage en pente. Ça va, ça passe. Ça passe, ça passe. À peu près, ça passe ouille. Bon ça par contre c'est relou. Mais bon. Bon ça a l'air correct. On dirait une pyramide, alors que pas du tout. Il pourrait y avoir du content dans ce jeu, hein. C'est tout ce qui manque. Un tout petit peu plus. Et tant pis. On doit faire sans. Oh là là. Alors là, si je suis un malin, j'arrête d'accélérer pour économiser de l'essence. Mais en vrai, je suis vraiment pas à ça près. Oula, par contre, je vais crever là. Oula là, oh là là, oh le monde castille. Je vais quand même arrêter d'accélérer de base. Juste parce que je veux pas finir dans le décor. Enfin, pas trop. Oh là, je vais trop vite, je vais trop vite, je vais tellement vite que le jeu lag. Oh, s'il me spawn un caillou devant moi et que ça met fin à la game. Oh, c'est possible, hein, ça arrive souvent. 1 million chez MV pour Spidon. Let's go. Bravo à tous. Bravo pour les dollars. J'ai pas pu mater tant que ça, Spidon, mais j'ai quand même regardé quelques runs. Et c'était très sympa. Quoi? Oh, je suis mort. Ok, stop. État des lieux. Tout va bien. Tout va bien, je sais pas pourquoi j'ai fait une sortie de piste comme ça, mais tout va bien. Is ok. 1 million à détourner pour financer Aegis. Putain, sacré détournement. Si j'avais su qu'il fallait faire des marathons speedrun pour financer la team, j'aurais commencé à traîner des trucs. Vous voulez savoir une bonne nouvelle? Demain, vous aurez la prog de la semaine. Vous êtes content ou pas de savoir que cette prog a duré 2 semaines? Au moins 2 semaines. Au moins. Un petit speedrun Elden Ring. En vrai, je sais pas ce que je speedrunnerais si je devais faire un speedrun. J'avais fait Dark Souls 3 un peu, je connaissais vite fait les routes, mais... Ou Sekiro, Sekiro aussi j'avais bien kiffé. Peut-être Sekiro. Sekiro c'est un jeu que j'aime bien. Ou alors... Je sais pas. Un petit Pokémon, non, Pokémon c'est trop relou, c'est trop random.
Moi je pourrais pas speed dans un jeu random, ça me rendrait fou. Enfin genre random où c'est vraiment juste des histoires de chiffres, ça me rendrait fou. Des patterns qui changent, ça me va, mais... ce sera jamais ça, quoi. Speedrun Castlevania, t'as l'air chaud dessus. Sympa. En vrai, je pense que c'est le genre de jeu où tu peux... enfin, tout le monde peut vite être fort. Vu que c'est que du Parkour, c'est pas mal. Après, Castlevania, il y a du random, mais j'imagine que dans les runs... dans les routes speedrun, il n'y a pas de... truc de devoir dropper le bon item sur le mob, machin... donc ça va. Oh oui! Ça, c'est de la musique, ça. Je speedrun top 8 TFT, je suis plutôt fort. Et bah, ça pourrait être ça. Attends, d'ailleurs, vous avez vu pas de bol aujourd'hui? Il a failli gagner la GSC. Il aura fini 4ème finalement, mais... il a failli gagner. Il était à une game de win. Du coup, il s'est qualifié pour les EMEA. Donc, les championnats d'Europe. Donc, trop bien. Trop, trop cool. L'avant-dernière game, ouais. Ah non, mais c'était trop, c'était vraiment trop hype. Ça fait longtemps que j'avais pas vraiment été en mode méga hype sur TFT. Donc, très heureux. Merci Xelor pour ton time. Putain, j'ai envie de jouer Xelor là, ça y est, tu m'as hypé. En ce moment, je mate full vidéo de Dofus d'ailleurs. Alors, je sais que je n'y jouerai jamais, mais. Enfin, je n'y rejouerai pas, en tout cas, de sitôt. À part pour Temporis, mais c'est sur rétro, donc je verrai. Mais je mate full vidéo de Dofus, ça, c'est trop bien. J'aime trop. C'est vraiment un jeu incroyable. Mais bon. La last game était déprimante. Ouais bah ouais. Il a essayé un truc. Wow. Non, le jeu est trop codé avec le cul. Alors. Paniquez pas, je gère. Ce que je fais là est tout à fait sous contrôle. Speedrun FTL. Avec des games de 8h30. Hein. FTL injouable. J'arrive pas à accrocher à Dofus. Quel jeu mes amis, quel jeu. J'arrive pas à le rentrer le pneu. Mais rentre que diable. Trop grand. Oh, ça ferme, ça vient. On y va. Ah, FTL c'est marrant ouais, comme jeu, mais c'est tellement dur. C'est juste tellement dur. Allez, bombarde. On a réussi à bien ranger ce qu'il fallait, c'est bon. J'espère qu'on va réussir à... oula. Attention, il y a les petits cailloux. La voie est minée. C'est piégé. FTL, ça peut faire partie de la boucle du dimanche. Non, parce que ça a pas de fin, en fait, concrètement. Enfin, je veux dire, sauf si je débloque tous les trucs, mais j'en ai pour vraiment des centaines d'heures, c'est tellement dur. Merci, Gwitix. Les jeux de la boucle, idéalement, faut que ce soit des jeux pas durs, mais juste longs, tu vois. Idéalement. Genre, c'est pour ça que je parle de Stardew Valley, tu vois, parce que c'est genre long, mais c'est pas dur. Power Wash, c'est long, mais c'est pas dur. Enfin, c'est des jeux où tu ne peux pas perdre, en fait, concrètement. Je trouve que c'est des trucs qui s'y prêtent le mieux, mais mais peut-être, hein. Ne jamais dire jamais. Après tout, pourquoi pas. Salut Gutix. Qu'est-ce que j'ai encore trouvé? Le jeu? Je connais pas le jeu. Non, j'ai beaucoup stream ce jeu, je crois que c'est genre mon deuxième jeu le plus streamé de l'année, non? Non, peut-être pas, j'abuse. J'aime pas ce que c'est mon jeu le plus streamé de l'année, ça doit être...
2023, je sais pas. Tiens, je réfléchis, je sais pas. C'est peut-être LOL, non? Mine de rien. Ouah! Mort. Oh, les problèmes. Oh, bordel. Ok, j'ai perdu un pneu. Oh là là, en plus c'est la nuit, je vois rien. Et j'ai pas le son, j'espère qu'il n'y a pas de mob. Ok, ah, attends. Ok, c'est pas mal ça. Ça doit être TFT 2023, je sais pas si j'ai beaucoup streamé TFT. En vrai, je pense pas. 2022, sans doute, mais... Attends, on va passer la nuit. Je peux pas. Non, je peux bien, toi. Et normalement, j'avais un... Mais je l'ai peut-être plus. J'avais un produit pour enlever le... Le sang. Bon, attends, je vais dormir, passer la nuit. Et je vais voir si je retrouve les trucs que j'ai fait tomber autour, mais je pense pas. Hein. Ah si, l'essence est là, déjà. Ok, la portière est... Non. Ah, attends, j'ai un pneu là-bas. La portière est à côté, je crois. Ok, ça va. Je vais y aller en voiture d'ailleurs, pourquoi je me prends la tête? Vu que les deux sont à côté. Mon rêve, je hold un bouton 4 secondes, ça m'endort. Bah si tu veux, je t'endors moi, hein, c'est facile. Hein. Je hold l'oreiller sur ton nez pendant 4 secondes, tu dors pareil. Hein. Après, je sais pas si tu vas te réveiller par contre. Mais... Ok, j'ai claqué que 6 litres d'essence depuis tout à l'heure. Je pense qu'on est pas mal. Par contre, j'ai pas de compteur. Donc là, au niveau du kilométrage, j'ai plus aucune idée d'où on est. Oh putain, y'a un lapin. Oh non. Oh non, pitié. Il faut que je m'en débarrasse. Il menace. Je l'ai pas tué. Ok, mort. Ok, s'il me suit pas, c'est bien. S'il me suit pas, je peux me barrer. C'est ok. Ah, ça va, il me suit pas. Ça, c'est à moi. Ça va, ça va, ça va. Je suis safe. Costaud le bougre, le lapin de titane. C'est vrai qu'il est très solide ce lapin. Oula. Très solide. Est-ce que j'ai encore de l'eau ou pas? Oula. Alors, techniquement oui, mais... Ok, ça va. Elle commençait à clipper dans la voiture, mais c'est ok. Ça, c'est bon. Oh, mais j'ai pas mon produit à vitre. Hein. Non. Je l'ai perdu. Dommage. Dommage. Et ben on va faire sans. Ah c'est Scohel, merci beaucoup. Fait l'inferno au final d'un major, ta tierliste est officiellement fausse. Et bah c'est pas une tierliste Smash Bros donc ça va mais... Mais je pense que si Brindibo était dans ce match, il serait meilleur. Voilà. Merci Laycrax. Par contre c'est vrai? Qui joue fait l'inferno? Quel joueur joue ça? SkyJ? Ah, je connais pas. My bad, j'avoue, je connais pas. Bon, j'ai voulu mater tout à l'heure le stream, je voyais que ça... Genre ça commentait des vidéos enfin prises au téléphone et tout à l'arrache. Ça n'a aucun sens. Un Mexicain? Ok. Pourquoi les Mexicains sont aussi forts à Smash? Ça n'a aucun sens. Parce que autant pourquoi les Coréens sont forts à LoL, bon, on en a déjà parlé longuement et j'ai su vous expliquer pourquoi. Autant pourquoi est-ce que les Mexicains sont forts à Smash Bros? C'est tellement random, je trouve. Il y a sûrement une bonne raison, hein, mais... Oula, je sens que je suis sur... Oula! Ah, j'ai l'impression qu'il y a des suspensions en plus, là. La voiture est plus normale. En même temps, elle a pris quelques chocs, donc ça m'étonne pas non plus. Je pense que la prochaine fois que je trouve une maison, je m'arrête pour... récupérer des trucs, éventuellement une éponge surtout. J'ai pas d'éponge. Hein.
J'ai ça, ça marche pas ça. Non. Ouais, là, c'est une bombe. La voiture elle bondit là, ça y est. C'est souvent quand elle commence à être un peu bizarre. Oh là là. La scène est grave motivée par le fait qu'ils se connaissent tous et y a pas besoin de bonne co pour jouer au jeu. Oh là là. Bon, ça va être dur. Oh, je sens qu'on nage en plein, on nage en plein délire. What? Eh? C'est culturel comme TFT en France. C'est culturel TFT, tu penses? Bon, ça, je vais quand même le garder. J'en ai besoin. Okay. Au vu de l'adhérence, aurais-tu mis des ailes d'avion sur le toit de ta voiture? Mais j'ai rien fait! Juste bizarre. Il me reste 3 litres. J'ai presque envie pour 3 litres de le laisser là, genre. Je regretterai sûrement, mais c'est pas grave. Et en plus, j'ai envie de faire un autre truc, c'est que j'ai envie de sauvegarder, quitter, parce que. Parce que souvent le fait de reload la game fait que ça règle un peu les problèmes de collision. On va voir si ça marche. Merci Darensan. C'est plein de gros streamers français qui font du TFT, donc au final, c'est, même si c'est niche, ça reste un phénomène culturel plus important qu'à d'autres endroits. Ouais, ouais, c'est possible, effectivement. Après, aux US aussi, il y a beaucoup de gros streamers qui font du TFT, tu vois. Et je sais pas si les Américains sont vraiment si forts que ça au jeu. Le pneu n'est pas parti. Si, mais en fait, je prends pas les objets qui peuvent créer des collisions parce que sinon ça rend la voiture incontrôlable. Genre là, c'est beaucoup mieux déjà. Le fait d'avoir des objets qui font des collisions, c'est une très mauvaise idée, malheureusement. Ils sont beaucoup plus, donc c'est édulcoré. J'ai envie de te dire que je comprends ce que tu veux dire. Mais je crois que je suis quand même pas d'accord. Ah, attends, je veux m'arrêter pour aller voir la voiture pour récupérer un compteur. Un compteur, et s'il y a une éponge, c'est bien. En culturel, il y a culte. Oula, tu vas où toi? Est-ce que les joueurs TFT français sont un culte? En deux mots ou en un mot? Ma réponse peut changer selon ce que tu vas me dire. Alors là, il n'y a rien du tout à en tirer. Quoi ça? Ouais, c'est un compteur, ça. C'est un compteur, mais c'est un compteur de mobilette, non? Oui, c'est pas du tout... ça marche pas, ça. Un compteur, c'est un réveil. Attends, mais je suis complètement con, moi. Peinture verte, de l'eau. J'ai besoin d'eau ou pas? Franchement, non. Quoi, c'est un frigo, ça? Ouais. Un petit croissant. Prendre la saucisse, surtout la saucisse, ça va bien. Ça régale. J'ai juré, j'ai mis 30 secondes à comprendre le truc avec un culte. J'étais en mode culteux, ça veut rien dire. Culteux. Culteux. Je comprends pas. Ça... Je pourrais recharger le bidon d'eau, ouais, mais est-ce que j'ai envie de garder le bidon d'eau, en fait, c'est ça la question aussi. Il me reste quoi? Mais j'ai rien dedans! Attends, mais il a... Non, si, il a 10 litres. Ouais, t'as raison. En fait, le bidon, ça va, il clip pas trop parce qu'il est petit. Donc en vrai, c'est correct.
Ça remplit, ça remplit. Merci Ken Rosen. Pourquoi j'ai autant de saucisses? Parce que c'est... une source de protéines. Très efficace. Ok. Et je voulais prendre... un peu d'huile. L'avantage de l'huile, c'est que t'en trouves jamais beaucoup, parce qu'en fait, il n'y en a jamais besoin de beaucoup. Donc ça va. Ok. C'est pas si mal. J'ai pas trouvé d'éponge. Mais bon, ni de compteur. On pourra se réarrêter à l'avenir, c'est ok. C'est pas choquant. Tu penses faire le DLC de Cult of the Lamb? Ah ouais? Y a un truc prévu? Ouais, je suis chaud, j'aime bien ce jeu. Très 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 bien. Cult of the Lamb, quelques défauts, mais... très bon jeu. Elles sont italiennes les saucisses? Non, elles sont hongroises. Mais oui, c'est le même drapeau. J'ai oublié une saucisse? Bon, c'est pas grave. Je crois pas, mais... vous êtes plutôt saucisse ou lapin, ou sapin sans bon? Bah t'as ma réponse, hein, déjà. Après, un petit sapin à senteur saucisse, là, pas mal. Hein. Ils sont chauds en Hongrie en saucisse? Je sais pas, mais en tout cas, en jeu vidéo, ils sont pas ouf. Ça, je peux te le dire. Alors ça, sois-en sûr. Alors, j'aimerais savoir à combien je suis du coup, mais je ne sais pas, on doit être à 150, non? Estimé à peu près, et on saura quand on trouvera un compteur. Je vous demanderai, et le plus près gagne un sub. C'est pas mal, je me suis rendu compte que c'était généreux quand même. Le plus proche gagnera un sub. Et s'il est déjà sub, il choisira quelqu'un un sub. Voilà. Imagine depuis le début tu pars dans la mauvaise direction, c'est pas possible. Au début, la route, elle commence et il y a un seul sens. Mais ça aurait été un bon twist. Excusez-moi, j'ai eu le malheur de me prendre un... un cactus, du coup j'ai explosé le jeu là. Le jeu est mort. Le jeu est littéralement mort. Ça va bro? Ok, ça va aller. Ça a l'air correct. Bon, je pense que... je pense qu'il va exploser, mais c'est pas grave. Pas l'arrivée qui compte, mais le chemin à bon entendeur. Oui. Salut Mihawk. Ce qui compte, c'est le voyage, pas la destination. À cœur vaillant, rien d'impossible. Pierre qui roule, n'amasse pas mousse. Oh là là, vous avez... est-ce que je suis pas le plus grand pilote de ma génération, quand même? Je suis vraiment fort. Alors... décroissingue. Oh, du gaz. Il manquait pas grand chose, mais bon, au moins c'est fait. On a quoi là-dedans? De l'alcool? Non, merci. Ça m'intéresse par contre. Ça m'intéresse. Ok, c'est mieux. Mais attends, mais j'ai... qu'est-ce que ça fout là, ça? Ok, j'avais un cactus dans mon moteur. C'est forcément moins bien. Oh, non, mon eau! Oh bordel. Oh putain, attendez, tout devient compliqué du coup. Tout se complexe. Tout se complexifie. Oh bon dieu. Oh mazette. Misère de misère.
Eh ben... Eh ben, bonne chance à tous. Ça, c'est un château d'eau là-bas, donc ça m'aiderait bien, mais j'ai rien pour le transporter. Ou alors... Ou alors... Attends, je peux pas la vider, je suis obligé de la boire. Ah ouais. Attends, je peux pas vider l'essence, sérieusement? Si, je peux, je pense. Ok. Ça, c'est 5 litres de contenance. C'est pas génial, mais au moins, ça peut peut-être clutch un peu. Ah, si vraiment il y a besoin, j'imagine. Pourquoi pas? Honnêtement, pourquoi pas? Mais il y a un problème là. Je vais en ligne droite, ma voiture elle fait un demi-tour. Oh là là. Non, je crois vraiment que le choc avec le cactus a explosé la physique du jeu. Des choses qui arrivent, faudrait que je reload en vrai. Et un cactus, j'ai cru que c'était un mec. Ok. J'ai fait un tête à queue, oui. Oui. Drôle ça. Hein. Merde, j'ai fait quoi? Non, reviens. Je l'ai lancé super loin. Je savais pas qu'on pouvait lancer les trucs loin. Ouah, j'apprends des trucs dans le jeu. Insane. 420 litres d'eau. Ok, c'est beaucoup. Je remplis là? Je sais pas. J'ai l'impression. Pas rempli rien du tout. Non mais... Qu'est-ce que je suis en train de branler? Ah c'est bon, pardon. C'est que 3 litres! Ouah, c'est foutu. Ouah, c'est foutu! Bon bah... Bonne chance. Musique d'Outer Wild. Non, c'est la musique de... C'est la musique de Road 96. Bim boum. Réponse de Sakura, oui, j'avais pas vu. Ah, les gens m'insultent, oui, oui. 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 Voilà. Rendez-moi fort. Ça me rend si puissant. Non, vous savez quoi, je vais... Faut faire ça. Pour essayer de corriger la physique. On dirait pas, mais des fois ça marche. Pas tout le temps, mais... Oh, lapin! Cours, cours, lapin! Oh merde! Mais depuis quand les lapins me 1v1 ma caisse? Ah! Mais avant ils étaient à vomir, pourquoi ils sont forts maintenant? Bah tire. Je peux plus tirer? Vas-y. Non, il est attiré par la saucisse. Mais depuis quand ils sont forts les lapins? Mais ils me terrorisent! Ah, il est mort.
Bon bah... j'ai défait le lapin. Bravo à tous. Mais j'ai... Ah, il manque un pneu. Ah, il m'a arraché un pneu. Sympa. Agressif. Ok. Ça va aller. Ça va aller, ça va aller. Ça va, il m'a arraché que un pneu. C'est ok. Bon, par contre... je sais pas si Carglass peut quelque chose pour moi à ce niveau-là, je suis pas sûr. On va se démerder. On peut pas juste enlever le pare-brise sinon ? En vrai, ça sert à rien un pare-brise, non ? Quel intérêt ? Tu veux la même caisse immortelle ? Non, mais c'est... tu te rends pas compte à quel point c'est impossible d'aller droit avec ça. Ça sert à empêcher le lapin d'attendre les saucisses. Comme si c'était genre le but du jeu. Attends, mais on est d'accord que le lapin de terre était beaucoup plus grand en fait. C'est pas la première fois qu'on voit un grand lapin? J'ai un doute. C'est genre un boss? C'est plus grand qu'une pièce de 2€. Ça là? Non. Non, non. C'est la perspective. On dirait que, mais non. Bon, sans compteur, je sais pas si j'avance vite ou pas depuis tout à l'heure. Je me rends pas compte du tout de si... parce que là, j'ai eu pas mal de soucis sur le chemin, donc... je pense que je suis pas au top, mais... Il y a un bateau. Qu'est-ce qu'on pense du bateau ? T'es pas convaincu par ce bateau. J'ai genre 35 litres d'essence. Au pire, je peux trouver de l'eau, mais après, on a dit de toute façon que trimballer des barils, c'était compliqué. Donc, je pense qu'on va faire 100. Le petit bidon vert, c'est bien parce qu'il est pas très grand, c'est 20 litres de capacité, mais juste là, je l'ai perdu. Je sais pas pourquoi, il a disparu. C'est le seul souci. C'est pas grave, je reste fort. Je roule. Yo! Bon, je m'arrête là. Ouais, je pense. Oh, je vais tellement vite à chaque fois. Marche arrière. Faut que je fasse gaffe là-dedans, il y a souvent des zombies. Tu ouvres la porte et tu sursautes. Ça arrive souvent. Ça a l'air d'aller. Ah voilà, genre ça c'est bien ça. Ça avec de l'huile, voilà, on va le vider. Je peux pas ne pas le boire, juste le vider. C'est pas possible. Non mais arrête. Et qu'est-ce qui reste là-dedans du coup? Y'a plus rien, c'est bon. Très bien. Donc... j'ai un baril vide, j'en suis content. Un ballon de foot. C'est de l'eau ça ? Non. Et ça c'est de l'huile, ok. Bon, je vais prendre le baril vide déjà, enfin le bidon. Je pense que ça peut être correct d'emmener ça. Ici c'est quoi ? Des saucisses. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Oula. Je peux pas enlever le pare-brise ? Non. Peut-être que je peux le casser, mais... Les lunettes ? Non, si je mets les lunettes, après on a un filtre rouge tout le temps et je sais pas comment on les enlève, donc... je vais archi pas faire ça.
Chaque souci s'ajoutait, je perds des points de vie. Bah ça va, regarde, ça va, non? Oh, le festin. En vrai, ça, là, dans une baguette, je suis sûr que c'est banger. Je suis persuadé. En vrai, est-ce que vous préférez pas, genre, des petites merguez dans de la baguette, c'est cuite sur un bord de terrain de foot, c'est vraiment barbecue un peu clandestin, là, à un repas étoilé avec du caviar et tout. Moi aussi. Moi, je préfère largement le premier. C'est sûr. Tu veux manquer de bouffe dans le jeu ? Bah oui, tu peux. Quelle sauce ? Je peux pas... Bah, une petite maillot sympa, quoi. Merguez maillot, ça passe. Hein. Ouais, alors sûr. Saucisse dans le pain tous les jours. Merci. Ou chipot pour ceux qui aiment pas les merguez, je comprendrais. Un repas étoilé tous les jours, j'explose. Comment ça t'explose? Demi-baguette, merguez, mayo, ça passe tout seul. Ben oui. Incroyable. C'est un plat qui rend heureux, en plus c'est un plat de vacances. C'est un plat de divertissement. Tu vois, c'est genre, je veux dire, tu manges jamais ça quand il se passe rien. C'est un repas de contexte sympa. Genre t'es pas chez toi à te dire vas-y petite merguez dans le pain, tu vois. Si? Non. Alors que tu peux être chez toi et te dire, ok, petite baguette. Oh le... Waouh! Waouh! Vous avez vu ça? Eh ben... Tu peux être chez toi et te dire, ok, demi-baguette, onglet de bœuf. mayonnaise légèrement relevée. La viande, faut qu'elle soit bien sûr... cuite avec genre légèrement caramélisé au beurre et avec du persil et des crevettes. Voilà, c'est ça, c'est le sandwich unique. Tu fais ça, il détrône tout le reste. Mais bon, bref, personne n'est prêt à ce débat. Merci Fatouz, merci pour le prime, bienvenue. Et merci Dragibou. Le combo onglet de bœuf crevette, je suis désolé, je le défendrai toute ma vie. C'est trop injouable, genre, c'est trop fort. Waouh, 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 j'ai sursauté sa mère, je me suis glacé. Je me suis glacé le sang. Please stop, I want to taste quoi? You want to taste quoi? You want to taste quoi? Il veut me chiquer le bâtard. I must kill you? Non, non. T'es où là? Ok, j'ai cru qu'il était accroché en dessous de la voiture, j'ai eu peur. C'est bon. J'ai géré. J'ai géré. He's human! Non, y'a pas de human, je sais pas quoi là. Il veut me tuer, c'est tout, y'a pas de non, mais écoute en fait. Non. Monde post-apo, une menace est une menace. Un peu d'essence. Je deviens zombie, je t'attaque pas. C'est tout ce que je demande. Vous devenez zombie, ne m'attaquez pas. Voilà. Moi, je vous laisserai tranquille. Oh, des saucisses! Oh oui! Oh, c'est tout ce qu'il nous fallait, ça. Oh, faut que je fasse popo. Attendez. Dans le jeu. Faut que je pose un cax. Bon, je vais faire ça bien, regarde, je vais le mettre là-dedans. Là. Voilà, regardez, je fais ça bien, je respecte. Mais pourquoi il est sorti par devant celui-là? Ah, oula. Il est pas en forme le frérot là.
est pas en forme le frérot. Je suis pas une bonne cible. Ne m'attaquez pas. Oui, un pneu sur le toit. Une pizza, j'aurais rien dit, mais un pneu, bizarre. Allez, démarre. Démarre. Ok, des fois elle a du mal, excusez-moi. Bon, j'ai pas trouvé de compteur. Hein. Il me faut un compteur là. Bon, réparer la vitre éventuellement aussi, mais ça c'est moins grave. Il me faut un compteur. Merde, j'ai enlevé la porte. Tout va bien. Faut charger la remorque. Non, je pense que conduire une remorque dans ce jeu, c'est impossible. Déjà que tu mets un bidon dans la voiture, la physique elle comprend plus ce qui se passe, alors bon. Je sais même pas si c'est un truc pour réparer les vitres dans le jeu. Sûrement que oui, mais je vois pas ce que c'est. Peut-être si je frotte un peu la saucisse. On sait jamais. C'est comme les gens, tu sais, dans... Vous avez déjà vu ça sur les... Sur les vidéos, tu sais, où... des mecs, ils prennent des graines de je sais plus quoi pour réparer des meubles. Vous voyez ce que je veux dire? Tu sais, ils cachent des légumes dans des meubles et tout. Vous voyez de quoi je parle? Mettre un peu de glu bizarre avec les graines de tournesol, ouais, c'est ça. Les pipas. Et ils cachent des carottes dans des murs et tout. Je sais pas pourquoi ils font ça, d'ailleurs. C'est incroyable. Ils font ça avec les nouilles aussi, ouais, c'est vrai. Les yum yum, là, les nouilles... Les nouilles à 4 centimes, là. Putain, mais quand j'étais petit... Quand j'étais genre au collège, on achetait ça. Ça coûtait 10 centimes pièce. Ce qui en vrai est genre insane. Je crois que c'est plus le prix aujourd'hui malheureusement. Mais on achetait ça, on les émiettait. Genre tu sais, on les cassait un peu dans le sachet. Et après on les bouffait genre cru quoi. Mais ce qui est vraiment hein, je me demande honnêtement comment on est encore en vie aujourd'hui quoi. Comment on fait pour être encore vivant? On mangeait des pâtes crues, genre. Mais ça choquait personne, c'était normal. C'était même pas bon, hein. On prend, on faisait ça, je sais pas. Y'a plein de gens qui font ça. Bah, figure-toi que j'ai réessayé il y a... 5 ans? Non, plus. Non, j'ai réessayé il y a 7 ans. Je m'en rappelle à peu près de quand c'était. J'ai réessayé il y a 7 ans, 6 ou 7 ans. Je n'ai pris aucun plaisir, et après j'ai eu, les amis, écoutez bien, j'ai eu une sulfurochiasse. Plus jamais. Plus jamais de la vie. En fait, c'est... Ton corps ne peut pas digérer ça, c'est pas possible en fait. C'est... Impossible. Impossible. Vraiment pas possible. Oh, un dîner. Un dîner, c'est pas mal, mais... Potentiellement dangereux. Ok, y'a un mec. Oh wow, sa mère. Ça fait trop peur. Bon, je dors parce qu'en théorie, ça va pas ouvrir les portes, mais on va voir. Qu'est-ce qu'ils savent? Don't try me, j'essaye demain. Bah écoute, Tu nous raconteras, hein. Tu nous feras un petit débrief? Un petit débrief RPZ de la chiasse, là? Attends, il est où? Je viens de le voir. What the fuck? Oh, je le vois pas. Ah si. Oh, mais ça ouvre les portes en fait. Oh merde. Je sais pas, genre il est mort, hein. Bon. Ça va. Il y en a un autre, vous pensez où ça va aller? Il me faut quoi, moi, de base? Pourquoi je suis venu? Il me faut un...
faut soit de l'eau. Ah, 45 litres de diesel, il y a des games où ça met bien, mais voilà. Ça, ça sert à rien, malheureusement. Éponge, mouais. J'ai du chocolate. C'est quoi ça? Ok. Un peu d'eau. Rien à lapin dehors. Il me faut un compteur, mais je trouve pas de compteur en fait. Oh, ça par contre. Les 26 litres d'eau là. Intéressant. Très très intéressant. Imaginez le jeu de fou s'il y avait eu un génie. Bah ouais, bah je, c'est tout ce que j'aimerais. Malheureusement, ce jeu n'en est pas un. Je remplis, je remplis. Transvase l'eau. Se balader avec le gros bidon, c'est l'enfer, mais avec le petit, c'est pas mal. Selon d'accès anticipé, ce jeu? Oui. Il le sera toujours, hein. C'est un jeu qui sortira jamais, c'est sûr. Quoique, je dis ça, mais ça se trouve, il est même pas en accès anticipé, en fait. Ok, bon, 10 litres d'eau, en vrai. C'est très bien. C'est vraiment très bien. Pourquoi il y a une voiture sur le toit? Est-ce que je peux monter sur le toit? Pas trop. Ouais, je suis très très fort en... Je suis très fort en pas grand chose en fait. Je change d'avis. Faut garder en tête que le jeu est injouable aussi, hein. Ça bouge pas. Ouais, bon. Non, mais ça marche pas, il buggait votre jeu. Essence, on a déjà mis le full. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Du bacon ou de la viande humaine, c'est pas clair, on n'a jamais su. En tous les cas, ça met bien. Mais ça donne très soif. Le chocolat, c'est très bien, ça full donne la bouffe et ça donne pas soif. Et y a pas de compteur, hein. Ok, y a pas de compteur, tant pis. Pas de compteur, y a plein de peintures, par contre, si on veut vraiment peindre, on pourrait le faire. C'est quoi ça, c'est une lampe de poche? On branle. Ok, bien... Tout est à chier. Alors l'huile éventuellement peut carry, parce que je sais que de l'huile j'en mets pas souvent. Oh, mais j'ai bu l'huile, oh mais putain. Merde. Bon, on va faire avec ça, c'est ok. Je sais pas comment j'enlève le trou là, mais... C'est juste si on reload la game, je sais pas. On peut pas changer les pare-brises. J'ai déjà une roue de secours? Non. En fait, si je prends les roues de secours, ça bug, donc... Bah, faut juste qu'on ait jamais besoin d'avoir une roue de secours. Voilà, c'est ma stratégie. Peut-être avec l'éponge. Pour enlever les trous dans le... Je pense. Un peu optimiste, non? Peut-être. Mais j'aimerais bien que t'aies raison.
Malheureusement, je pense pas que ce soit le cas. Boire de l'huile de colza, ça doit être horrible. Ouais. En même temps, est-ce que l'huile de colza, c'est pas genre un ingrédient de plein de trucs qu'on mange? Non. Si. Je pense que si. Je sais pas dans quoi, mais ça se mange, non? Alors bon, j'imagine bien que tu la bois pas au goulot, hein, mais... Il doit y en avoir dans plein de trucs. C'est vachement épais comme huile. De la glu pour le pare-brise, d'accord. Vous êtes un mécano, hein? Si? Rassurez-moi. Vous êtes pas là-dedans, vous? L'huile d'olive, si je dois boire, ça va? Non. Non, crois-moi que tu penses ça, mais un shot d'huile d'olive, c'est le pire truc que tu puisses faire de ta vie. Essaye, hein, si tu me crois pas. Tu verras, hein. Il faut appeler Olivier. Bah ouais, mais il est pas là. Le seul mec que j'ai croisé dans le jeu m'a dit qu'il voulait me bouffer, donc... J'ai testé, je confirme. Ah, mais c'est sérieux, hein. J'ai déjà essayé. Moi, non, mais... Je connais des gens qui l'ont déjà fait. Je confirme aussi. Non, t'as fait ça? Non. Ouais, c'était un pote qui... est persuadé que c'était moins pire de boire de l'huile d'olive que de la vodka. Et bon. Des regrets. On lui a dit, hein. Non, non, mec. Hein. On est sûr que non. Il disait, mais si, c'est sûr. Parce qu'il aime bien l'huile d'olive. Moi aussi, j'aime l'huile d'olive, d'accord? Moi, étant un enfant... enfant élevé avec la culture portugaise, bon, l'huile d'olive c'est dans tous les plats, c'est mandatory, tu vois. Il en faut tout le temps, sinon le plat n'est pas comestible. Mais bon, même moi je sais que, bon, voilà, tout seul c'est pas... C'est comme le sel, quoi. Le sel c'est important, mais est-ce que pour autant t'as envie de faire une cuillère de sel? Pas convaincu. Tu m'aurais dit cuillère de sucre. Pourquoi pas? Mais... Wesh! Tu vois où là? Oula. Ah. Oh. Oh, wow! 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 Ok. Non, tout va bien. Tout va bien, c'est Interstellar un peu, ouais. Mais tout va bien, on s'en est sorti. À peu près. Il me faut un compteur, hein. Faut que je sache à combien de kilomètres je suis, j'en ai aucune idée. Oh là là. Non mais là c'est... Je peux plus jouer là. Il manque pas une roue, en vrai. Oh, je vais pas droit comme ça. Je vais tellement pas droit que ça m'inquiète un peu. Ah mais ma brosse elle a plus de poils. Ah ouais bah super. Il y a rien qui va, la voiture elle fume et tout. Oh putain. La voiture elle fume, elle dérape. La voiture c'est bigard, ça y est c'est fini. Il y a plus rien à en tirer là. C'est quoi ce merdier? Allez, reste forte, on va y arriver. On va t'emmener au bout, t'inquiète pas. Le seul avantage, c'est qu'elle a beaucoup d'essence. Vu qu'elle a beaucoup d'essence, elle a un potentiel, elle a un avenir. Je crois. Je crois qu'elle a un avenir. Que
Donne-lui un nom genre Titine. Oh là là. Oh. Peut-être. Peut-être le renouveau du bonheur. Peut-être le renouveau du bonheur. Peut-être quelque chose qui va se passer devant nous. Ok, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Ok, j'aime bien, j'aime bien. Comment tu mets de l'essence là-dedans? J'ai oublié. Devant, je crois. Ok. Ok. Attendez, attendez, attendez. Il est à deux doigts de rouler, faut juste que je trouve où c'est qu'on met de l'essence. Enfin, je crois qu'il faut du diesel surtout, mais... comment tu remplis ce truc là? Le fameux coulant. Je sais plus. Oui, c'est là. Mais ça roule sans essence cette merde ou quoi? Non. Non mais comment? Non mais j'ai déjà eu un camion comme celui-là en plus, je sais même plus comment je le faisais rouler. Mais... Est-ce qu'il n'y a pas juste pas de moteur? Je trouve pas où c'est le truc. Bah, je suis complètement con. Dites oui. Ah mais c'est là. Ok, j'ai trouvé. Ah ouais mais du coup je peux quand même pas l'utiliser. En fait dès l'instant où il me dit qu'il a pas d'essence, bah je suis en mode ok juste. J'ai pas de siphon. J'ai pas de siphon. Et j'ai pas de diesel, de toute façon, dans tous les cas, il démarrera jamais. Donc, au pire, est-ce qu'on se dit pas juste que... Que c'est dommage, mais que tant pis. En vrai. Non. Je crois que c'est dommage, mais tant pis, hein. La bouteille. Ouais, je peux pas, j'ai pas de siphon. Et de toute façon, j'ai pas la bonne essence, donc tant pis. Au revoir, beau camion. Tu aurais été un magnifique faux espoir, sache-le. Au revoir. Au revoir. Bisous. Il va me manquer un peu, je pense. Il va un peu me manquer. Pas tant que ça, mais un peu. Après, on sait que les camions, c'est un peu bait, hein. Des fois, en fait, t'es tellement loin de la route, t'es tellement haut que t'accroches pas du tout la route et du coup, t'as que des suspensions de partout, tu bondis. On avait conduit le camion bleu, le Big Blue, et c'était vraiment une expérience qui a été agréable au début, puis après, fini. Du coup, le nombre de kilomètres? Bah écoute, j'avais oublié, mais en fait, c'est le compteur qui compte les kilomètres, c'est pas la voiture. Donc on saura jamais. Désolé. Y'a pas un ton avec 56 litres de diesel? Si. Mais... En fait les objets des spawns donc... Donc si j'y retourne, c'est rien. Je gère, je gère. On dirait pas, hein, mais... Je suis en parfaite gestion. Regardez, vous avez déjà vu quelqu'un conduire aussi bien? C'est marrant parce que là, je vais tout droit, il faut le savoir. Hein. Là, je n'appuie que sur Z. Regardez la voiture comme elle tourne à gauche.
Pas que la gauche, hein. Regardez comment elle tourne tout court. Oh là là, pourquoi elle fait ça? Elle veut plus aller droit, ça y est, c'est fini. Faut que tu fasses le parallélisme. Oui, bah... Le jeu, il connaît pas cette notion, d'accord. Je change les pneus surtout, je pense. Que je la remette à 9, mais je peux pas, j'ai pas ce qu'il faut. Ou soit que je l'échange, soit que je trouve une brosse. Je crois que les brosses, ça répare les pneus aussi. Ok. De l'huile. Beaucoup d'huile. Mais rien qui m'intéresse tant. Est-ce qu'il me faut de l'huile? Non. Non, zéro. Ok. Ouais, je crois qu'il y a un problème avec les roues, mais... Pas clair. Merci, Cookie. Ah, salut, DH. Salut, Milf. Oui. Comment ils vont? Bah ils vont, hein. Nous allons bien. J'ai fait une tier list Pokémon qui a mis tout le monde d'accord. Sur laquelle personne ne pouvait rien redire. Et puis nous jouons à... Enfin nous jouons, nous survivons à la boucle. On essaye. D'ailleurs j'ai demandé à Twitch pour avoir les moments. Pour que vous ayez des badges de récompense des fins de boucle. Je vous le dis. Je sais pas s'ils vont le mettre, mais sachez que je leur ai demandé. C'est en bêta depuis 6 mois, mais un jour peut-être. Ah ! Ah ! C'est fou comme ce jeu est vraiment pas intéressant à jouer, encore moins à regarder. Quoi ? On est quand même optimisé par la route. Bah tu vois, du coup, c'est que c'est intéressant. Non, personnellement, je pense que c'est mieux de regarder que de jouer à ce jeu. Parce que jouer, c'est vraiment pénible. En fait, faut être vraiment concentré tout le temps. Après, bon, ta mémoire musculaire fait un peu le taf tout seul au bout d'un moment. Mais... Enfin, c'est pas vraiment de la mémoire musculaire, mais... Genre, ma main joue sans ma tête, quoi. Ce qui est assez pratique, mais bon. C'est de rester à peu près droit tout le temps, mais la voiture elle part toute seule sur les côtés, donc tu vois, genre là j'appuie juste tout droit et ça m'envoie dans les choux direct. Oula, quoi? Quoi? Il y avait rien sur la route, si? Oh, je suis explosé. Oh, j'ai perdu le radiateur. Oh, la fin de game. Fin de game. Pourquoi d'ailleurs? Je sais pas. Fin de game parce que la voiture a choisi de se suicider malheureusement. C'est quoi ce merdier? Là j'ai plus rien, là. Oh là là. Attends, quoi? Ah, j'ai tout. Ok. Bon, j'ai plus mon baril d'eau, malheureusement. C'est quoi, ça? J'ai perdu un truc, je sais même pas ce que c'est. Ah, c'est la boîte à gants, m'en fous.
Bon, au moins j'ai un phare. Le méchant de Aladdin. J'ai un peu d'eau. Merde. Je la renverse par terre. Je mange une source S. Ok. Quoi, ça, c'est l'autoradio? Ouais, je crois. Ça, c'est l'autre phare. Et à droite, c'est quoi? Encore un truc. Ah! Ah! Ça, j'en ai besoin, ça. Alors ça on dirait peut-être pas mais j'en ai vraiment besoin. Non, 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 non. Putain, je l'ai ouvert, j'en fous partout. Non, non. Oh putain. Oh. Oh non, j'en ai foutu partout. Attends, c'est peut-être de l'eau ça. Mais là ça va être terrible. Mais là ça va être terrible. C'est de l'eau? Ok, c'est de l'eau. Je joue RP, ouais. Ça va aller, ça va aller. Normalement, hein, le mot est important. Normalement, ça roule. On va essayer. Bon, je maintiens que ma voiture s'est envolée pour aucune raison, néanmoins. C'est comme ça. Mon baril d'essence est d'edge. Ouais, ouais, je l'ai pas pris. Ça fait trop bugger la voiture. Genre, one si fou, il a resub. OMG. Merci, monsieur. Bon, ça, c'est un grand lapin. Moi, je fais gaffe au lapin maintenant. J'ai peur. Pourquoi c'est Bella Ciao en 8 bits nul? Parce que c'est l'OST de Row 96 que vous avez tant réclamé. Qui adore cette chanson pour aucune raison d'ailleurs, je sais pas pourquoi mais... Una mattina. Attends, mais j'ai l'impression que depuis l'accident la voiture roule mieux. Est-ce que c'est possible? Elle va plus droit. Bon, ok, en fait, non. Bon, elle va pas tellement droit, mais... Ou alors, c'est la route qui est pas droite? Ah, bah, peut-être que c'est ça, en fait. C'est un chant révolutionnaire italien, donc c'est 100% legit. C'est vrai que Row 96, c'est très italien comme jeu. Très très italien. Attention, fais pas du hors-piste tout le temps, toi. Non, mais c'est révolutionnaire donc ça passe. Ah bah ok, du coup, c'est bon. Oh bah si c'est révolutionnaire, ça va. Donc je veux dire par là que la Casa des Papels, c'est pas une révolution. Je crois pas que c'est un peu une tentative de démantèlement du capitalisme. Et de la société de consommation. T'as rien compris au auto. Non, pardon. Ça fait réfléchir, hein. Y'a pas de chant révolutionnaire américain? Si, sans doute. Parce que les US de base, c'est un peu fondé sur une révolution, non, finalement? Avec le truc du thé, là, je sais plus comment ça s'appelle.
Ils se sont rebellés contre les Anglais, quoi. Non. T'as pas dit ça. Je sais, je défends tes propos pour créer un débat. Et pour se cultiver, on parle d'histoire. Merci Elgon. Merci Elgon. Salut Elgon, pardon. Pourquoi je dis merci? Elle a juste dit bonjour. Je suis un fou furieux, frère. Ça y est, je deviens fou. Qui se rappelle la dernière fois que j'ai dormi? Pas moi. Je m'en souviens pas. Par contre, merci Mr. Fox. Ça, c'est vrai. Wow! Non. Oh, putain. Je m'arrête pas, je m'arrête pas. Je m'arrêterai un autre jour. Qui ne s'est pas révolutionné contre les Anglais? bonne question. Est-ce qu'en Inde, il y a eu une révolution contre les Anglais? Genre une révolte? Je crois pas. Oui, il y a eu. Ok. Je pensais qu'il y avait juste un truc de... De genre, bon, c'est bon, vous barrez maintenant. Et qu'ils ont dit, oui, d'accord. Ça réglerait plein de problèmes que ça se passe comme ça. Je suis un grand politicien, croyez-moi. Je fais du consulting. Gandhi? Ouais, mais Gandhi, il est sus, Gandhi. Ouais, moi, je suis pas un Gandhistan, moi. J'ai un pays, arrête de coloniser parce qu'en fait, ils étaient gentils all along. Imagine juste. C'est incroyable. Fuck Gandhi, mais c'est quand même lui. Ok. Bon argu. Gandhi avec la nuke. Oui, c'est lui. C'est celui-là que j'ai en tête aussi, ouais. Entre autres choses. Bon là, faut espérer qu'il n'y ait pas de cailloux dans les fourrés. Sinon, Dedge. Est-ce que je peux avoir 2-3 skateparks dans le chat, s'il vous plaît, parce que bon, j'ai quand même mis les mods, j'aimerais la voir, quoi. Si ça vous dérange pas. Est-ce que j'ai le droit d'en avoir un ou deux? Merci. Merci de me faire vivre ce moment-là. C'est important. Quoi, les modes, je vois pas. T'as pas BTTV? Que des émotes de fou, hein. Des gros poissons, hein. C'est un bateau, ça, ou c'est une pierre? Ah, c'est un bateau! Oh, du bateau! Mais j'y vais pas. Trop chiant. Non, pas sur téléphone. Mais pourquoi des gens matent sur téléphone? Vous êtes des fous! Les gens qui regardent leur live sur téléphone, vous êtes bizarres. C'est quoi cette maison? Jamais vu. Waouh, waouh, waouh! Waouh, waouh! Boum! Toum, toum! Waouh, waouh! De l'huile. C'est quoi ça? C'est un chat? C'est un chat! Oh non, un chat! Moins 10% sur les chats? Ça veut dire ça? Plus 10% sur les chats. Ah! Pas clair. Quoi, c'est un insecte? Ah, mais c'est un faux insecte. C'est quoi, c'est un faux livre? Comment? Je cherchais quoi de base? Des pneus, non? Mais peut-être pas en fait, peut-être que mes pneus ils roulent bien, je sais pas. En fait c'est pas clair. La voiture a l'air d'être à peu près en forme là, mais... Viande de chat? Non. Merci Orchak pour le resub. On n'est pas tous riches à millions pour avoir des PC portables au lit.
Tu me fais dire des choses que je n'ai pas dites. Vous êtes en train de déformer mes propos, j'ai l'impression, attention. J'ai pas dit ça, j'ai dit... Les gens qui regardent des lives sur téléphone, c'est bizarre. C'est tout. J'ai pas sous-entendu autre chose. C'est le but pour créer un débat. Bien vu. Il a utilisé ma carte piège contre moi-même. BJ. Je l'ai pris personnellement. Non. Après, avis des astros, on a l'habitude. Comment ça? Tu dis ça par rapport à quoi? J'ai aucun avis des astros, je ne suis que... Je passe mon temps à enchaîner les masterclass. C'est quoi la tier list? J'ai mis sur... J'ai mis sur Twitter. Ah! J'en ai marre. DFG, tu as ton permis? Oui. Ça se voit ou pas? Oh, je suis tellement mort. C'est tellement mort. C'est quoi ça? C'est le coffre? Ou c'est le capot? C'est le capot. Ah non. Attends, mais c'est le coffre? Ah oui, j'ai plus de coffre. Pardon. Je vais passer la nuit parce que je vois rien. Coden qui s'est envolé de nouveau. Je vois LOL, je te jure, c'est moins énervant. C'est possible. C'est quoi ça? Ça, c'est l'autoradio, non? Non, c'est un phare. Je suis très très chaud. Ok. Réparation MacGyver, ça va pas tenir longtemps. Mais si. Ça tient très très bien, regarde, y'a aucun problème, la voiture elle est superbe. Regarde, regarde. Trouve pas que c'est parfait toi. Hop là. Hop là. Tac, magnifique. Oh, moi je trouve que c'est nickel, hein. Franchement, comme ça, elle peut rouler encore un moment. Hop. Comme neuf. La voiture, là, comme neuf. Vraiment. Sortie d'usine. J'ai plus de trous dans le pare-brise. Putain, c'est vrai ça? Vrai, j'ai peut-être juste plus de pare-brise du tout. Ça, c'est, je sais pas. Ça, c'est le suspense. Il y a peut-être juste pas de pare-brise. C'est nickel, regardez, c'est un bonheur là. Tout est parfait. Jette une saucisse pour voir. Pas une saucisse, c'est précieux. Je peux jeter l'autoradio si tu veux. Bah si j'ai. Ok, j'ai un pare-brise. Il s'est réparé. J'en ai marre. J'en ai marre de conduire un truc impossible à piloter. J'en ai marre.
Chaque choc devient de plus en plus impactant. Du coup le pare-brise, t'inquiète. Ah ça c'est une décalco, paniquez pas, c'est pas ce que vous croyez. Tu mets au clavier, joue au clavier. Et ce jeu est pas maniable quoi que tu fasses, je pense. Hein. De là que rien leur fun. On se l'a dit, depuis qu'on a récupéré le compteur, là, on a fait 31 km déjà. Donc c'est-à-dire qu'avant, on a dû en faire quand même pas mal plus. On doit pas être si loin des 3000, hein. Oh mais putain, c'est injouable. J'avance tout droit, ma voiture, elle fait des sorties de route toute seule. Ah, ça va être dur d'avancer, là. Ça me fait penser à mon daron qui a enlevé son pull sur l'autoroute et qui a réalisé sa connerie sur le coup. Ah oui. Ah oui, effectivement, c'est c'est optimiste. C'est parce que j'ai plus de pare-choc que mon Ranger saute. J'ai plus de pare-choc ! Ah, c'est possible. Ça, c'est bien, bien possible. Oui. Ok, on reste fort, on reste cool. Je me focus pour rester droit là, j'essaye. J'essaye. Oh non, pas les cailloux, s'il vous plaît. C'est vrai que c'est dur de rester droit sur la route. Oh, si en plus ils commencent à mettre des petits pièges là. Ok. Oh là, sa mère. Je gère. Je suis en pleine gestion là. Hein. Je suis en pleine gestion. Regardez. Vous avez déjà vu quelqu'un d'aussi habile avec un volant entre les mains ou pas? Regardez comme je suinte l'assurance. Oh là là, regardez comme je suinte l'assurance. Si je lâche l'écran des yeux, c'est fini. Je meurs. Salut Paul. T'as vu mes choix terribles de starter, ça va pas du tout. Mais t'as pas eu l'argumentaire avec, c'est pour ça. L'argumentation est extraordinaire. Faut que je me gratte le bras. Je change de main. Ok, je change de main. Conduite main droite, on gère. Ok, on repasse sur conduite main gauche. Ok, c'est géré. Parlons de Tiplouf. Tiplouf, c'est très simple, j'ai dit Tiplouf. Mignon. Pas de problème, très bien. Et après, c'est Prinplouf. C'est déjà dur à dire, tu vois. Prinplouf, l'enfer. En plus, il est un peu chum. Et après, c'est Pingoléon. Genre, il voulait pas faire plus long encore. Pingoléon. Et en vrai, bah, c'est juste un. C'est un pingouin, quoi. C'est un pingouin, sauf qu'en plus il s'appelle Pingoléon. Et il a quoi pour lui? Rien. Rien, il est haut acier. Wow. Super. J'aime pas quoi il ressemble Pingoléon. Ah, tu vois un pingouin? Voilà. C'est un manchot? Ah, il s'appelle Pingoléon, pas manchot Léon. Ce qui aurait été mieux en vrai. Et bon, le pire, ça reste quand même Prinplouf, hein. Je peux pas prononcer Prinplouf sans avoir l'air pas en colère, en fait. Prinplouf. Quoi? Sans avoir... Bref. Avec tout ce rouge, je vois pas l'alerte d'essence. J'ai pas de compteur d'essence, surtout.
Donc même si j'enlève le sang, je verrai pas le truc vu que mon compteur ne donne pas le niveau d'essence. Il y avait un petit zomblax. Confond ne pas m'être arrêté. Pingouin plus Napoléon. Et donc pourtant Napoléon, Paul, du coup c'est bien, c'est ça, hein, c'est ce que tu me dis, hein. Pourtant Napoléon c'est le top tier list, quoi, c'est ça, hein. Que je comprenne bien. Que je sache où tu m'emmènes avec cette réflexion là. Bizarre. Est-ce que c'est une vanne par rapport à la marche de l'empereur? Vu que c'est un pingouin, genre l'empereur, Napoléon l'empereur, un pingouin aussi, non? Du coup, peut-être c'est ça, hein. Peut-être la vanne elle vient de là en fait, et on n'avait pas compris. Ou alors y'a que moi qui n'avais pas compris. Beaucoup de questions. Charlie des empereurs? Alors, j'en connais pas assez, mais si tu demandes à Paul, il va te dire que Napoléon en top quand même. Merci Guizon. Charlie des modos. Ah, vous allez être déçus, vous allez être déçus. Charlie des modos, ça va créer des problèmes. Déjà, Elgon, il a dit ouais, je vais revenir au foot et tout. Je lui ai dit, mec, bon. Reviens au foot si tu veux, mais. Mais bon courage. C'est devenu cyborgesque le foot maintenant, ça y est. Si t'es pas capable de courir une heure sans t'arrêter, tu ne peux pas footer. Enfin, si tu peux, en vrai, j'abuse. Tu peux. Tu peux, mais bon, faut être prêt, quoi. Jules César en S. Je pense que c'est le seul que je connais. Lui et ce bon vieux Charlemagne. Après, sinon... Je garantis pas d'en avoir beaucoup, quoi. Alexandre le Grand. Mais genre, tu vois, je sais même pas d'où il vient. En vrai. Je sais pas qui c'est. Quasiment sûr que Charlemagne n'est pas empereur. Ah ouais? Comment tu veux que je sache ça, de toute façon? Charlemagne, il est pas... Si, c'est l'empire... Macédoine comme la salade. Putain, c'est fou comment quand j'étais petit, j'adorais ça. Et maintenant, je trouve que c'est genre... pas très très bon. Enfin, vite écœurant, surtout. Mais quand j'étais petit, j'adorais ça. Mais genre... les repas, quoi. Maintenant, je trouve que ça m'écœure un peu. Je trouve que c'est vraiment pas bon. Enfin, pas bon, tu vois, mais genre... Si j'ai le choix de prendre une entrée, je prends pas ça, quoi. Mais peut-être que j'ai eu des mauvaises expériences récentes. Je réessayerai un jour. Peut-être même... Oh, par contre, je suis dans une montée, là. Oh. Je me rendais pas compte, mais je sentais que j'avais du mal à avancer. Je crois que la voiture elle lâche maintenant. Hein. Ça, cette montée là, je peux pas la faire en voiture, c'est impossible. Enfin, je peux pas la faire en commençant à l'arrêt, je veux dire. Enfin, je peux pas la faire à pied surtout. Ok, on a un petit ravitaillement. On va être un peu moins en pente, c'est peut-être pas mal de s'arrêter. Ouais, c'est bien, après ça repart en descente. Nice. Oh putain, pas nice du tout. Everyone has to die sometimes, why not now? Sympa le mec.
Il est où? Ok. Il est au bout de mon congé. Depuis quand il court? Il me carjacque là? Il me carjacque l'auto? Mais il fait quoi là? Ma voiture elle fume déjà. Mais... Enfin, c'est pas très drôle. Qu'est-ce qu'il foutait avec ma caisse? Il voulait monter derrière, mais t'es un malade! Mais dégage! Il a mis son bras dans la vitre, mais putain... Oh non... Casse-toi! Non, casse-toi! Non! 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 Ouais, victoire! C'est bon, j'ai récupéré ma portière. Attends, je peux pas la remonter? Pourquoi? Ah si, je peux, c'est bon. Ok. C'est bon, c'est bon. Problème résolu. Enfin, à peu près. Non, mais y'a rien du tout là-dedans? Une lampe de poche. Wouhou. Ah. Ouais, 2 litres d'essence éventuellement. Il y a une moto. Non mais déjà regarde. Regarde les accidents que j'ai, les conséquences qu'elles ont. Ils ont. Tu te doutes bien que si d'un coup je me dis vas-y je prends la moto et que je me mange un arbre. Bon. C'est la fin des Haricots. Bon, j'en ai pas gagné grand chose malheureusement, mais c'est pas grave. On a vu pire. Le bug des saucissons dans la voiture ont été réparés. C'est-à-dire. Moi je pense qu'ils ont réparé aucun bug, je pense qu'ils ont fait que d'en rajouter à chaque fois, un peu plus. Quelques bugs supplémentaires à chaque patch, histoire d'être sûr, enfin à chaque patch. Peut-on parler de patch? Je ne sais pas, mais... Imagine cette sucre-là en raidant dans le couchant. Les amis, nous avons Eddie Mitchell dans le chat, j'aimerais qu'on le salue. Grand respect. Quoi ça? J'ai envie de m'arrêter, mais c'est que de la montée. Si je m'arrête en montée, c'est trop dur de repartir bien. Je vais bourrer, c'est pas grave. Je vais bourrer jusqu'à avoir une descente. En fait, on peut pas monter à l'infini, vous voyez ce que je veux dire? Il y a forcément un moment où on va à minima être plat. Là, on fait vraiment que de monter, quoi. Heureux, qu'est-ce que j'ai loupé? Bonne question. Je serais tenté de te dire que t'as pas raté grand-chose. Pourquoi il y a une étoile qui est bleue? C'est peut-être juste pas une étoile en fait. Bizarre. Pas clair, pas clair. Attendez, vu que c'est la nuit,
On va s'arrêter vu que c'est une descente surtout. Voilà. Falling asleep. Très bien. Ok, c'est bon, pardon, excusez-moi, j'ai des messages en attente qui attendaient d'être réglés par, par mes soins. Mais it's ok. Attends, mais c'était pas une descente là ? Je me suis bait, c'est pas une descente du tout. Y'a aucune descente ? La boule qui passe devant toi, c'est le plus bel effet comique de l'histoire. Putain, j'ai pas vu. Y'avait un. Un virevoltant. Did not see. Nancy. Ouah, lapin! Je vais vous demander un F pour le lapin, s'il vous plaît. Ouais, il s'est un peu jeté sous mes roues, hein. J'ai essayé de l'éviter, vous avez vu, hein. Il y a un petit coup de volant vers la droite, mais... Malheureusement, je n'y puis pas grand-chose. Je n'y puis pas grand-chose. Des soucoupes volantes ? On l'a pas eu aujourd'hui, mais il y en a, ouais. Des fois. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Je gère. Je gère. Vous y croyez ou pas ? Oui, il fallait y croire, il fallait y croire. Regardez-moi cette gestion. Là. Incroyable. Le Peak Gaming. Du jamais vu un mec aussi fort, sérieusement. Du jamais vu. De la route 66, il y a blindé de lapins, on en a percuté un de nuit. Mais pourquoi tu nous racontes ça? Arrête! Ouah! Tout va bien. Un peu. Non, non. Si. Je gère. Tout va bien, je sais pas comment j'ai fait, mais ça va. Je gère, je gère. Mais la route 66, elle sert à quoi en vrai? À part être un quarantenaire en crise existentielle qui prend une Harley, elle sert à quoi en vrai? Genre des gens l'utilisent vraiment? J'ai l'impression que c'est que du désert tout le temps et que c'est genre un truc de... De baroudeur, mais tu sais, y'a jamais personne dessus. Itinéraire majeur autour duquel se développent de nombreuses villes comme Amarillo. C'est dans Red Dead ça. Albuquerque. Ça c'est dans Breaking Bad. Flagstaff, ça tu l'as inventé. Et Kingman. Ça c'est un film d'espion mais mal écrit. Donc je pense que tu te fous de ma gueule. Voilà. Voilà. C'est ma conclusion.
Elle passe dans des villes à certains endroits. Ah oui. Moi, j'y crois pas trop, je mens pas, mais bon. Flagstaff en Arizona. Ah, putain, mais oui, je connais cette... Attends, mais... Je connais ça. Un Karim de Bâche, mais alors dans quel truc? Non, on fait que de monter, frère, j'en peux plus! On fait que de monter, c'est que de la montée! Merci Lord Batistando, merci pour le Prime. C'est demi-tour. Tu sais qu'en plus, le problème dans ce que tu viens de dire, c'est que c'est vraiment pas con. C'est vraiment pas bête. Merde, faut que je mange. Ok. Oh non, la crotte est hors de portée. Oh merde! Non! J'ai perdu mon réalisateur à cause de la crotte. Ok. C'est fou, le moindre impact normalement m'explose la caisse quoi. On sent qu'elle a un background. On sent qu'elle... Oh. Elle a du vécu, elle a du vécu. Juste passer, claquer mon prime, j'invite le reste des viewers à faire de même. Oh, ça c'est mignon ça. Allez, on repart. On repart. Tout va bien. Les traces de sang donnent un indice du vécu. Ouais, léger, léger. Non mais c'est à cause des courants d'air, j'ai saigné du nez, c'est tout, c'est pas ce que vous pensez. Aucun rapport avec un quelconque choc ou cette saucisse qui flotte dans les airs d'ailleurs. Merci Bibi Titou. Je dédicace ce sub à tous les gens moches du chat comme moi. Tapez 1 si vous êtes moche. Pas concerné. Ouah, je suis sûr que vous mentez tous. Sauf peut-être en vrai, c'est il y a moyen qu'il y en ait 2-3 qui soient pas en train de mentir. Mais bon, après ça, qui suis-je pour juger? Vous aimez trop ça, vous aimez trop faire des victimes, j'ai remarqué. C'est votre truc ça, vous aimez trop ça. Tous beaux comme des camions, ça lâche des... Ouais, ouais, j'ai pas beau. En vrai, je suis BG. En vrai, Paul, t'es pas mal, hein. T'es bien. Allez voir son Instagram. Mettez-lui plein de commentaires pour dire qu'il est beau. Non, le faites pas. Faites pas ça, mais agissez comme si vous l'aviez fait. Allez, ça descend un peu. God bless, on va pouvoir bombarder à 300 km/h. Nice. Et là, on est à quoi? On est à 100... À 160? Non, je sais pas. Pas loin, je pense. Dites-moi que je suis beau, honnêtement, je mérite. C'est vrai. Je sais pas pourquoi, mais c'est vrai. Oula. Oula. Je gère. Oui, je vais raser les cactus, mais c'est pas grave. Ok.
ça manque dans Slash Chant. Mais j'ai pas ces options là, moi. Je suis le mal aimé de Twitch. Je suis le vilain petit canard de Twitch. J'ai pas les features trop bien. On me déteste. Ça a été supprimé. Quoi ? Mais pourquoi ? C'est incroyable, la meilleure feature. Est-ce que ça favorisait les harcèlements ? Quoi ? Je suis désolé, mais... Hein ? Oh, je suis mort. Oh là, ça lag. Oh, quand ça lag, quand le jeu lag, t'es jamais content. Hein. Bon bah, je pars dans le Grand Canyon. Bonne chance à tous. On se reverra un jour. Ça va. On roule. En gros, les chaînes, c'était l'équivalent de copier-coller un message, quoi. Donc bon. Le petit canard, il devient un cygne. Waouh. C'est dur, ça. Ok, je suis en full, j'accélère pas. Ah, c'est que de la concentration, que de la gestion, que du s'il y a un caillou, je suis mort. Ah, les routes comme ça dans la vraie vie, ça me terrifie parce que tu sais, tu sens ton comme dans les attractions, tu sais, ton... Ouh, je suis mort. Tu sens ton estomac qui se soulève. Attends, faut que je vérifie quand même si j'ai encore mes pneus parce que là... J'ai quand même l'impression que prendre des coups sur le côté, c'est très optimal. C'est quand même très 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 optimal. Quand tu prends juste un coup latéral, il se passe rien. Oh. Mais bon, après le mieux c'est quand même de pas prendre de coups, j'imagine. Mais quand tu prends vraiment un coup genre pile poil sur le côté, la physique elle est... très très arrangeante. Ouais, vas-y, trop chiant. On est en full pente, c'est impossible de s'arrêter. Tant pis pour les loots. De toute façon, j'ai besoin de rien là. J'ai de l'eau, j'ai de la bouffe, j'ai de l'essence. On a à peu près ce qu'il faut. En plus, on est en full descente là. J'ai besoin de rien sauf d'une voiture qui roule droit, en fait, c'est tout. C'est tout ce qui me manque. Dès que j'aurai ça, je vais être trop bien. Voilà. Après, les descentes, en fait, vu que la route est pas droite, il suffit qu'il y ait un mauvais angle et tes pneus, ils s'envolent. Tu meurs, il se passe quoi? Actuellement, pas grand chose. Juste, je reprends la sauvegarde la plus récente. Mais le vrai game over, pour moi, c'est pas... Enfin, y a pas vraiment de game over en soi, au final, mais... Pour moi, le vrai game over, c'est surtout avoir, genre... ta voiture qui peut plus rouler pour X raisons. Et être au milieu de nulle part. Et pas pouvoir... la réparer ou avancer avec. Ou... En fait, le vrai game over, c'est quand tu commences à devoir jouer à pied. Pour moi, c'est ça le vrai problème. C'est là que je reset. Mais c'est pas arrivé souvent, c'est arrivé genre 3 fois. C'est arrivé 3 fois en une quarantaine d'heures, je pense. J'ai joué 40 heures à ce jeu ? Attends, j'espère pas. Que m'en disent Steam ? 36 heures j'ai joué. Imaginez ce temps que j'aurais pu investir dans un truc vraiment utile. Imaginez juste. En 36 heures j'aurais pu faire tellement de trucs. Genre lol. Bah genre lol, 36 heures de lol j'aurais été master au moins. Ça aurait été quelque chose de pris déjà.
Ou D4. J'aurais pu être master ou D4, c'est vrai. Oh là, ça lag. Oh, voilà, c'est vraiment un jeu du trou de cul. J'en ai où d'ailleurs? Je suis D1, 20 LP? Un truc comme ça. On est pas mal. En vrai, si je fais genre 4 ou 5 wins de suite, c'est bon. Ok, il y a le BO après? Ouais, bon. Petite win streak et c'est bon. Oh, ça va. Mais oui, mais je suis fort à LoL, hein. Et... les gens oublient. Les gens oublient trop vite. 2-3 games après? Ouais, je pense. Je pense à minuit, je vais faire 2-3 games. Histoire de... là, je vais pas jouer à ça pendant 6 heures, hein. Ne soyez pas fous. C'est que de la montée et on a descendu pendant 4 secondes et après on a fait que de remonter pendant 8 heures là. I can't. I cannot. J'ai mal au cou. J'essaie de rester vivant avec mon cou. Je sais pas comment faire. Les musiques sont très cool. Ça. Ouais, rien à redire. Stream marathon 24 heures sur The Long Drive avec JD en copilote. Je pense qu'au bout de 4 minutes, on s'embrouille. C'est sûr et certain. Un multi? Je crois qu'il y a un multi, ouais. Pourquoi il y a une lumière en face? Non, c'est un bug. Ok. Dès qu'un truc dans ce jeu a l'air cool, c'est un bug. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Ce jeu ne fait rien, vraiment. Que du hasard. Non, la boue. Du hasard et des lags. Voilà. Résumé de ce jeu. Tout ce qu'on aime. C'est un peu TFT en soi. J'ai déjà vu un virevoltant IRL? Non, je crois pas. En même temps, je ne suis pas un cowboy, donc j'imagine que ça aide pas. Alors que dans Pokémon, oh là là. Dans Pokémon, j'en ai traîné un par terre pendant des kilomètres, hein, je me rappelle. Je n'oublierai jamais. Ça fait quoi de percuter un virevoltant? Ça fait pas grand chose. Ça l'explose. Mais quand tu vas pas vite, il est... il y a une collision, quand même. Je veux pas qu'il y ait de collision parce que ma voiture, elle... elle est fatiguée. Mais on fait que de monter! On fait que de monter! Pitié que quelqu'un vienne me libérer! Sauvez-moi de cet enfer! Je fais que de monter! Fais que de monter! On se rapproche des étoiles! Tout ce qui se passe dans cette game, y'a rien, genre. Y'a aucun bâtiment, y'a que dalle! Y'a que de la montée! J'en peux plus! Et la lune. Éventuellement. On descend? OMG? OMG? Are we descending? Ok. Ah non, on remonte. Je suis descendu pendant 4 secondes. C'est bien. C'était 4 belles secondes. Maintenant on monte.
On monte. Ah, j'ai hâte qu'on descende un peu. Hein. Parce que pour l'instant, on monte. Hein. Ok, là, on descend un petit peu. Ça devient agréable. Attention, il se passe quelque chose. Oh, il se passe un peu de bonheur. Il y a un plot twist dans le jeu, hormis les bugs. Comment ça, un plot twist? Pour qu'il y ait un plot twist, ça veut dire qu'il y a un plot, non? Et là, il y a pas de plot, hein. Il y a ni plot ni twist, je te le dis, moi. Rien du tout. Non, il y a des mobs, il y a des zombies. Il y a des lapins. Il y a des manoirs. Il y a des ovnis. Il y a des trucs. Des fois. Pas souvent, mais des fois. Oula. Oh, ce bruit. Bon, c'est bien, on descend full. On est en full descente. Ah, mais le bruit, c'est dans la musique. Il y a eu un bruit de moteur dans la musique, j'ai eu peur. Ah, c'est la musique. Bah, ça va, du coup. J'ai flippé ma mère. Oh, j'ai flippé, c'est bon. En fait, y'a rien. Oula. Oula, il y a eu un petit caillou. Oh là, encore un. Oh. Je sais pas où on va finir. Bonne chance à tous. Bonne nuit. Oh, waouh, le ciel. Waouh, le ciel. Bonne nuit. Bonne nuit à tous. Ok. Attends, j'ai un problème, y'a plus de roue. Si. Non, on a l'air de pouvoir rouler, alors pourquoi on roule pas? Ok, non, c'est bon. Faut le démarrage, il est un peu capricieux en vrai, mais ça va. Ok, on y retourne. Niveau santé, j'en suis où là? Manger une saucisse. Ok. De toute façon, la fin de game arrivera-t-on un jour? Ouais, là, on n'est pas en fin de game là. On a beaucoup avancé quand même ce soir. Je pense qu'il doit nous rester 2000 km. Un truc comme ça. Je pense qu'on a dû passer les 3000, on peut pas être très loin, en tout cas. En fait, je me rends pas compte si j'ai fait plus ou moins de 400 ce soir. Je dirais que j'ai fait plus, mais c'est pas clair. On va rouler encore un peu, c'est pas mal. C'est quoi le but? Rouler et survivre. Et moi, mon but, c'est de faire 5000 km. Je sais pas pourquoi. C'est comme ça. C'est le but. Notre mission. Je sais pas que la mienne. Putain, mais ça va faire que monter encore. Allez, je compte. I can't. Alors, on a quoi? Prince de Lu. Contre l'énergie devient une force. Et c'est tout? Non mais c'est pas possible. Ah. Ok, 1 litre 5 d'essence. C'est de la merde, mais vas-y, pourquoi pas. Ouais, j'ai encore 30 litres alors que je fais que rouler. Je pense qu'on est safe d'un point de vue essence. Après, bon, toujours sympa d'en mettre un peu de temps en temps. Quoi, c'est une éponge sur le toit, là? Attends, parce qu'il me la faut, en plus. Euh...
Attendez, il me faut une éponge, coûte que coûte. Oh, il y a un lit. Marrant. Et un pneu aussi. Attends, est-ce que je prendrais pas un pneu juste... Est-ce qu'il est mieux que le mien? Est-ce qu'il est vraiment mieux? C'est le même. Ouais, bon, en vrai, mes pneus, ils sont pas si mal, hein. Dans mes roues. Ok. On va enlever ça. Voilà. C'est mieux. C'est clairement mieux. Indéniablement. Le pneu arrière droite. Ah, celui-là? Ah oui, il est fatigué. Tu peux le laver un peu ou pas? Ouais, je crois pas. Ah, c'est vrai qu'il est fatigué, il est tout sale. Ouais, ça a l'air correct. Ça a l'air correct. On a un peu de descente et après ça remonte full. Let's go. Bon, j'en ai trop dans le pare-brise. Je sais pas, à un moment je les avais plus. J'ai pas fait gaffe à quand ils sont partis, mais... Les virevoltants, ça fait ça, désolé. Ça les éclate. C'est un retour au menu que j'ai fait? Ok, ouais, bon bah... Tout simplement. On est pas mal, là, hein. On est pas mal du tout, hein. On va se taper de la montée par contre. Encore. Encore et toujours. Bon, je pense que je monte à 100 et après je change de jeu, non? Ça me paraît bien. Je suis curieux de savoir comment j'ai fait avec le compteur d'avant. Je suis vraiment curieux de savoir. J'ai dû faire une bonne centaine aussi, mais ça me paraît très peu d'avoir fait que 200 km ce soir. Enfin, c'est beaucoup, tu vois, mais... Globalement, j'ai quand même bien roulé, donc je sais pas trop. Déjà 900? Non. 90. 900, ça serait facile. S'il fallait faire... Si ça c'était 900, le jeu irait vite, hein. Le jeu ne va pas vite, malheureusement. Il va très très peu vite, ce jeu. En plus, on a que des montées. Ça ne m'aide pas. J'aimerais tellement un nouveau Zilonging. Ouais, moi aussi, mais ça n'arrivera jamais. Malheureusement. Je peux mourir et tout devoir recommencer? Techniquement, oui, sauf qu'en fait, tes kilomètres sont sauvegardés quoi qu'il arrive. Alors genre là, si je suis à 2600, je reprends une nouvelle sauvegarde, je suis à 2600 quand même. Tous les kilomètres que je fais sont comptés dans les 5000. Donc ça va. Mais je peux, oui, quitter la game et recommencer avec une autre voiture. Hein. Ou une moto, ou autre chose. Tu peux faire plusieurs saves. Ouais, Zilonging, c'était vraiment bien quand même. C'était mi-rigolo, mi-déprimant, mi-épique, mi-naze. C'était un peu plein de trucs. Et ouais, j'ai beaucoup aimé ce jeu. Il y avait des petits mystères et tout. Franchement, bien. C'est un jeu marquant en plus, surtout si c'est l'avantage. On voulait savoir la suite. Exactement, en fait, c'est ça. Il se passait peu de choses, mais... Le peu de choses qui se passaient était quand même vraiment très cool. J'ai beaucoup aimé. Assez mémorable comme jeu. Mais ouais, c'est un peu bizarre, c'est un mélange de RPG et de... Enfin RPG, même pas vraiment, mais de jeu d'aventure. Et de idle game et de... Et de jeu à choix même un peu.
voire même presque jeu d'énigmes, on peut le dire. C'est assez dense. Mais très bien. Alors que Ezerial, ivre d'alcool, a répondu à la mauvaise personne dans le chat. Plusieurs fois de suite. J'aime bien. Changez rien, les gars. C'est la commu, ça. 94. Bon, quand on fait ça, on fait la teuf, hein. Quand c'est 100, c'est la teuf. Je me lève. Bon, je me lèverai pas, j'ai la flemme, mais... C'est bien ce ciel orange, là. Hein. Il est joli. Ouh, la lune est rouge. C'est le soleil, en fait, juste, non? Ouais. Tout simplement. Le soleil rouge, c'est pas non plus... si commun, mais... Maître Malheur. C'est bien aussi ça, Pentiment. C'était assez dense, mais cool. J'ai vraiment trouvé ça cool. Donc les musiques auront été banger ce soir, hein. Il faut le dire. On aurait eu que de la pépite. C'est un bateau, ça? Wesh. Oh, alors ça pour une surprise. Non, je peux pas dormir en plus. Non, j'ai un bateau sur la route là, normal, genre. Ouais, j'ai eu peur, ouais. Effectivement. Excusez-moi, ça m'a un peu surpris. Mais est-ce que je veux vraiment le looter, ce bateau, en fait? Je m'en branle un peu, non? Je pense que je m'en fous, honnêtement. Parce que... Ouais, il me faudrait un peu d'huile, mais... De l'eau, j'en ai. Du gaz, j'en ai. Il me faudrait un peu d'huile, mais bon, vraiment un peu, quoi. Il m'en faut genre 5 litres max. Même pas, il m'en faut genre peut-être 3, 4, 2... Bref, pas tant que ça, quoi. Donc bon. Un 19. Et... 100! Ouais! Ouais, nous sommes à 100 sur ce compteur. Bravo à tous. Bravo à tous. Voilà. Bonne année. Voilà, on va s'arrêter. On va s'arrêter là. Mettre une petite save. Et du coup, on est à combien en tout? 2822. On a fait 216, un truc comme ça. C'est ok, en 3 heures, un peu moins. Non, moins de 3 heures, 2 heures. En 2 bonnes heures, je dirais. C'est pas mal.